Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va voir comment bien vider sa vessie pour ne pas être gêné avec les gouttes retardataires. Alors cette vidéo s'adresse principalement aux hommes. Je vous avoue, même si c'est un problème qui concerne aussi les femmes, la technique que je vais donner ici est applicable en gros pour les hommes. Vous pouvez essayer d'en faire une variante pour les femmes si vous voulez, mais vous allez vite comprendre que ça risque parfois d'être un petit peu compliqué. En gros, la vidéo va être assez rapide, mais bon, j'en fais pas une vidéo verticale rapide d'une minute parce qu'il faut quand même que je prenne le temps un petit peu d'expliquer. Première étape, je vous conseille, si vous avez souvent ce problème, déjà de vous poser, de faire pipi assis, d'accord? Quand vous vous posez, vous faites pipi et là, vous essayez de bien détendre le périnée. Donc normalement, vous sentez que parfois, vous êtes un peu contracté. Quand vous faites un relâchement, vous devez sentir justement le muscle qui se trouve entre votre partie génitale et votre anus se détendre. Le plancher pelvien doit se détendre. Vous faites pipi, d'accord, vous urinez, vous détendez bien votre plancher pelvien et une fois que c'est fait, vous vous levez, d'accord. Là, vous vous levez et vous ne vous levez pas les jambes écartées comme ça, d'accord. Vous essayez d'avoir les jambes les plus rapprochées possibles. Une fois que vous avez les jambes bien rapprochées, vous continuez à relâcher le périnée. Et à ce moment, avec les doigts, vous allez les mettre derrière le scrotum. Tout en gardant, vous allez dire c'est bizarre cette vidéo, mais non, je vous donne des astuces pour essayer de bien vider la vessie. Tout en gardant le sexe en fait pendant. C'est-à-dire que si vous mettez la main en gros derrière le scrotum, vous allez avoir tendance à avoir le sexe qui est soulevé. Là, l'idée, c'est vous mettez debout, vous fermez un peu les jambes, vous détendez le périnée et vous gardez le sexe en position verticale. D'accord? Il faut que la gravité aussi vous aide. D'accord? Et avec les deux doigts de la main, peu importe laquelle, vous allez derrière le scrotum et vous appuyez sur le muscle que vous devez sentir derrière au niveau du périnée, qui est le muscle, je ne sais même plus comment il s'appelle, à vrai dire, je ne vais pas vous mentir, mais qui permet, voilà, en se contractant, d'évacuer l'urine. Et vous allez voir, si vous êtes bien détendu, que vous adoptez la position, etc., en appuyant dessus assez fort, vous allez voir, ça fait pas mal, mais vous pouvez appuyer, et bien alors, il y a des résidus de gouttes qui vont sortir. Voilà. Donc, cette technique peut vous permettre, dans une certaine mesure, de bien vider la vessie et d'être tranquille avec les gouttes retardataires. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas une malicieuse qui va arriver après, mais si vous êtes gêné en général par vraiment plusieurs gouttes qui sortent après avoir remis votre caleçon, bah, cette technique, elle peut potentiellement vous soulager un petit peu. Donc, bah, dites-moi, vous pouvez essayer après cette vidéo et puis vous revenez, vous me dites un petit peu en commentaire ce que ça a donné. Voilà, j'espère en tout cas que ça fonctionnera chez vous, que ça marchera, que ça pourra vous soulager, vous aider dans une certaine mesure. Et puis voilà. En attendant, écoutez, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.